J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Ce matin, je voudrais vous inviter à une lecture dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34. Enan karamandi karuna mseban karam Matthieu kwenoro chapitre yobe. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Alléluia. Merci. Pour sa barca. Le titre de notre méditation, fais-tu bien de t'inquiéter? As-tu raison de t'inquiéter? Quels sont les éléments qui t'amènent à t'inquiéter? Y a-t-il quelque chose qui soit au-dessus de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui surprend Dieu? Ce passage est une section du sermon sur la montagne. Et il traite d'un thème spécial. Les soucis, les inquiétudes, ou les inquiétudes. Inquiétude, souci, stress, burn-out sont des synonymes qui désignent un sentiment d'appréhension, de malaise, de préoccupation d'un problème imaginaire. Le danger est imaginaire. C'est pas sûr que le danger arrive. Mais nous anticipons le danger et nous nous faisons des soucis par rapport à ce danger. C'est ce que je divise en trois parties. Et chaque fois, c'est ponctué de ne te soucie, ouais, ne vous inquiétez pas. La bumba matamba pongomsongoma, quels sont votre quatre fins ya ramaniiri. La première partie. Pipiziga. Nous dit que les inquiétudes sont contraires aux enseignements de la nature. A wili daton noti ton samaniira, a kis dal toninga wenam seningi obnana rapongwa. Le verset 25. Verset pisi la nous rapongwa. Pourquoi vous inquiétez des choses de la vie? Nous dépendons de Dieu et devons lui faire confiance pour notre corps. Sa structure, son fonctionnement, en un mot, nous dépendons de Dieu pour la vie et la survie. Et
ton vie malade be vie ma bien wenam nugu. Et là, nous ne faisons pas beaucoup de soucis. La zikonga ton katoron manir usoye. Personne ne se pose la question, est-ce que je vais vivre demain? Nedba yeka shokoda menga ringa beo mwitoka na pukunyem la men. Est-ce que je vais mourir demain? Ringa beo mamna mana kalom. Non, prends la vie comme un acquis. On ne s'inquiète pas de notre vie. À moins qu'on tombe malade. C'est à ce moment qu'on se dit peut-être je vais survivre ou bien je vais mourir. Cependant, nous nous inquiétons pour le matériel. C'est-à-dire l'enveloppe. De la vie. La vie, pourtant, est plus importante que tout ce qui l'enveloppe. Et si la vie vient de Dieu, la vie m'a senti en amnénge. Eh bien, son enveloppe aussi sera protégé, gardé, pourvu par Dieu. Boum ninga son luta vima, encore une vima, winam nange sa boum kong yelme. Et personne, comme je le disais, ne se pose la question vivrai-je ou mourrai-je? La wam se yela nidba yezin sokamenga ringa runa rara untoran an luyem temket en vibe na yikam temket en vie. La Bible dit il donne. Winam sembra yela men te kontame. Il donne et la vie et les éléments nécessaires pour la vie. Il a donné le plus grand. Il ne refusera pas le plus petit. S'il nous a donné la vie, il ne refusera pas le pain. S'il nous a donné la vie, il ne nous refusera pas la santé. S'il nous a donné la vie, il ne va pas nous refuser le vêtement. Il va s'occuper de nous. Parce que c'est un Père qui nous aime. Et quand nous sortons, nous reflétons notre Père. Nous reflétons les anges du ciel. C'est pas le minimum qu'il nous donne. Il nous donne avec abondance. Il prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Que ton âme soit prospère comme ton corps est prospère. Before il veille sur ses serviteurs et ses servantes. C'est pourquoi ce matin, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu est avec toi. Et puis, Jésus compare. Il compare les oiseaux, il dit, ils ne s'aiment pas. À Jésus dit qu'à Momosgo, ni lui ni un ansamastono. Ils ne s'aiment pas. Lui ni un capitaine pour ils ne récoltent pas. Abkatari boy n'ingripkodo. Et pourtant, la Bosgo. Ils sont nourris. Darfan wena mbi. Ils sont alimentés. Abpam de ribo. Ils ne manquent de rien. Bumpapo lui ni wai. Ils ne construisent pas des barrages. Abkatu man ko kwara. Ils ne font pas des forages. Abkatur bulusi. Mais ils ont de l'eau à boire. Parce que Dieu pourvoit, Dieu veille même sur les oiseaux. Quelqu'un a posé la question. A-t-on déjà vu un oiseau inquiet? Non. Ayo. Il chante. Son chant à lui.
Nous avons plus de valeur que les oiseaux. Tu as plus de valeur que les oiseaux. Parce que Dieu t'a créé à son image. Alors que les autres, il les a simplement créés et sont des créatures, mais qui la ne bouma, ressemblent pas à Dieu. Et surtout nous qui pouvons travailler. Il a promis de bénir l'œuvre de nos mains. Et Jésus ajoute. La Jésus passe à main yéle. Au verset, ajoute plus tard. Votre Père sait. Alléluia. Amen. Votre Père sait. Ce matin, ton Père sait. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait quelle est ta préoccupation. Il sait quel est ton besoin réel. Tu n'as même pas besoin d'insister. Parce que votre Père sait. Ton papa naturel peut ne pas savoir. Mais ton papa spirituel, là, lui, il sait. Non seulement il sait, mais il a les moyens de sa politique. Il sait ce dont tu as besoin, mais il a aussi la provision pour tes besoins à toi. La boum n'inga sensemene foratma fo yinga optara boum kongo. Et notre avantage, la ton zuno en yida, c'est que nous pouvons dire notre Père. Ya ti ton tuen yela me mbol bamba ton ba. Les païens ne peuvent pas dire notre Père. Nem ni sebson kami wena ma katuen mbol wena mto baye. On va parler du Dieu, le Dieu distant, le Dieu lointain, mais on ne peut pas parler de notre Père. Le reproche ici, c'est que si nous nous inquiétons, nous insultons Dieu. Si nous nous inquiétons, nous manquons de confiance à ce Dieu-là. Si nous nous inquiétons, c'est que nous avons quitté la présence de ce Dieu-là. Autrement dit, dans sa présence, nous avons l'assurance qu'il pourvoira à tous nos besoins. C'est ce que Paul a dit aux Philippiens. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Et c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Mon Dieu pourvoira. Ton Dieu pourvoira. Il y avait un garçon dans un bateau. Lors d'une traversée, il y a eu une tornade. Une tempête qui mettait à mal le bateau. Et pendant que tout le monde paniquait, le garçon, il était descendu en bas et puis il jouait. Comme si de rien ne s'était passé. Et après la tempête, il lui a posé la question. Pourquoi est-ce que tu n'as pas paniqué comme tout le monde? Il a dit, le capitaine, c'est mon père.
Le capitaine du bateau, c'est mon père. Est-ce que tu sais que le capitaine de ta vie, c'est ton père? Le capitaine de ton bateau, c'est ton père. Il n'a jamais perdu une bataille, une guerre. Il n'a jamais échoué. Et ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Il est aux commandes. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il gère. L'Éternel gère. Ton Dieu gère. Il gère ta vie. Il gère ta famille. Il gère tes affaires. Et personne ne peut prendre de sa main ce qui lui appartient. Tu es entre ses mains. Et personne ne pourra venir arracher. Tu es entre ses mains. Ta famille est entre ses mains. Personne ne peut. Aucun sorcier ne peut passer par là. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qu'il aime. Afin de les arracher du danger et puis leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Deuxième section, les inquiétudes sont contraires aux enseignements de l'Évangile ou de la Révélation. Verset 31. Pour le monde, et même pour certains chrétiens, le besoin de connaître l'avenir, les préoccupe. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que mes affaires vont devenir? Et Jésus dit, là, Jésus ce est la sont mienne. Les païens qui recherchent ces sources. Toi, reste tranquille. Reste tranquille. C'est dans le repos et la tranquillité que sera ta force. Nous avons des tendances païennes en nous. Nous pousse vers la panique. Une certaine recherche de l'avenir, du lendemain, pour être sûr de ce que le lendemain nous réserve. Jésus te dit. Jésus te dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Car je suis le même. Hier, aujourd'hui et demain. J'ai été dans ton passé. Je suis dans ton présent. Et je suis dans ton avenir. Tes lendemains sont entre tes mains. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Pourquoi tu veux savoir ce qui va arriver demain? Puisque ton Dieu le sait. Et ton Dieu a programmé la bénédiction pour toi. L'amour de l'argent, les soucis sont deux branches du même arbre. L'un pousse dans un ciel tropical riche. Et l'autre dans le Sahel où il ne peut prendre forme. L'un est le péché du riche. L'autre est le péché du pauvre. Tous les deux sont condamnables parce que mondains. Les soucis proviennent du fait que les païens ont une fausse conception de Dieu.
Il voit un Dieu lointain, distant, désintéressé dans les affaires des hommes. Mais pour nous qui sommes débarrassés de ce paradigme, Dieu est présent dans chaque événement de notre vie. Un père riche et personnel. Un père riche et personnel, oui. La Bible déclare Christ en nous, Christ l'espérance de la gloire. Christ est en toi. Christ a bien pour un. Christ est en toi. Christ a bien pour un. L'espérance de la gloire. Il n'est pas lointain, il n'est pas désintéressé. Il est ton Dieu. Il est ton père. Mais en même temps, il est ton professeur. Celui qui va te former pour que tu reflètes l'image de Jésus-Christ. Et que tu ressembles au ciel au lieu de ressembler à la terre. Troisième section. Les inquiétudes sont contraires au plan de la providence. Suprême sagesse par laquelle Dieu conduit toutes choses. Aujourd'hui est assez important. Aujourd'hui est assez préoccupant pour que nous cherchions encore à nous occuper du lendemain. En tant qu'homme, nous sommes des spécialistes du passé et de l'avenir. Et jamais du présent. Quand on était jeune, on faisait ceci aussi. On évangélisait. Et puis maintenant, on pense à construire. On pense à assurer l'éducation des enfants. On pense en tout cas à une vie dans l'avenir. Dieu nous veut confiants pour aujourd'hui. Demain, il a couvert notre passé. Il connaît notre avenir. Et il sait ce qu'il a pourvu, ce qu'il a préparé pour notre avenir. Aujourd'hui, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Parce qu'il est le Dieu qui est constant dans toutes ses voies. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? L'inquiétude ne nous décharge pas de notre lendemain. Au contraire, elle nous vide de nos forces aujourd'hui. La Seigneur a fait de L'inquiétude ne décharge pas de notre lendemain. Mais elle nous vide de nos forces pour aujourd'hui. Au lieu d'avoir la force de croire en Dieu, on a une faiblesse qui profite au diable. L'inquiétude ne nous délivre pas de l'épreuve, mais nous rend plutôt inefficace pour affronter l'épreuve. C'est pas parce qu'on va s'inquiéter
quand on va être délivré de tel ou tel mal. La nampa mte wena mfa tonne yel kanga wala yel latoye. Au contraire. La seigne yida fa. Au lieu de croire et de pouvoir prier, de présenter et de lutter à genoux. Teton taltibo la eti la de zabe de numa zugwa. Nous avons tendance à nous décourager. Yira nan kita mte ton vi pan comme son pour un teton do ara bore. Et nous nous décourageons. Et nous manquons de force pour faire face à l'épreuve. L'inquiétude ne bénit pas notre lendemain. Mais elle appauvrit notre aujourd'hui. Elle ne bénit pas notre lendemain. Mais elle appauvrit notre aujourd'hui. C'est pourquoi, en conclusion, nous voulons dire le malheur est que des inquiétudes d'ordre mondain aveugles et signe de manque de foi remplissent nos vies et assombrissent notre horizon. Regardons en avant, car Dieu nous a donné le pouvoir royal et merveilleux de vivre dans le futur tout en apportant sa gloire dans le présent. Remplissons le présent d'une foi tranquille. D'une attente, de travail honnête, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La solution miracle, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire la priorité des priorités, c'est Dieu d'abord. Et nous serons surpris de ce que Dieu apporte dans notre vie. Et nous serons surpris de ce que Dieu fait dans notre vie. Ce matin, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Ma fille, ne t'inquiète pas. Mon garçon, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Car je suis avec toi. C'est la différence avec l'Ancien Testament. Jésus a déclaré, je suis avec vous tous les jours. Jésus et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Aucune épreuve ne peut être contre toi. Rien, absolument rien ne peut te vaincre. Parce que celui qui est avec nous, non seulement ils sont plus nombreux, mais celui qui est avec nous, nous sommes plus nombreux. Mais nous sommes plus forts. C'est le monde qui nous craint, ce n'est pas nous qui créons le monde. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu est avec nous. Ce matin, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Du royaume des cieux. Est-ce que je suis encore enfant de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que j'arrive à prier? Est-ce que j'arrive à lire la parole de Dieu? Si tu fais ces choses-là, ne t'inquiète de rien. Parce que Dieu va te donner tout le reste. Au-delà de ce que tu peux penser. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Que sa grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai trouvé.
la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur. Et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon. Jouir déjà sur la terre.